que des artistes qui étaient créatifs, qui produisaient des arts, c'était à cause de la répression. For 10 years, I've been struggling to make films. I've tried to make stuff I believe in, but I'm always let down. Instead, I've decided to document my life and struggle to create. Dictatorships form a certain expression, democracy another. But I wonder how hard it is to go from creating in one context to the other. La photo du monsieur et son empreinte digitale et sur le dos il y a son prénom, son nom, la date de naissance, le lieu, la profession et l'adresse. Chaque Tunisien qui veut faire une carte d'identité doit remplir une fiche comme ça. La fiche elle est là parce que les gens ont brûlé le commissariat de police. Tu vois déjà le lieu il est magnifique, c'est une ancienne maison. Je vois. Qui a été reconverti en poste de police. Ben Ali et Fakio. Voilà, c'est... Oui, qui sentait dans l'acte de détruire ça, de le brûler, un soulagement. Voilà, donc, ils ont tout brûlé. Ouais. Mais bon, on va le reconstruire, mais sur des bases solides. Il n'y aura plus de, j'espère, de plus de répression, plus de censure. Plus de... C'est d'un artiste français qui s'appelle JR. Et il a entrepris ce projet-là avec des photographes tunisiens. C'est, je crois 6 photographes tunisiens qui ont parcouru la Tunisie pour filmer. Photographier des portraits de Tunisiens à travers la Tunisie. Ils sont allés à Kasserine, à Sidi Bouzid, à Tunis. Et le principe du projet, c'était d'accrocher des portraits de Tunisiens et voir leur réaction. Par exemple, c'est le portrait d'un styliste tunisien qui s'appelle Salah Balka. Je crois qu'il est du sud de la Tunisie, il a posé. Les photographes sont venus le matin, ils ont accroché les photos et ils ont attendu la réaction des personnes. Il y a ceux qui ont réagi mal, c'était à la Golette, ils ont enlevé les portraits. Pendant 23 ans, on n'avait que les portraits de l'ex-président, donc comme si c'était lui le gourou de la rue. Après, lorsque les photographes ont venu pour poser leurs photos, les gens ont ressenti que c'est le même scénario qui s'est répété. C'est on a l'association, enlevé, voilà, avec, l'association avec le portrait du président. Après. Ils sont partis accrocher les photos, je crois, à Sidi Bouzid et à Sfax. Et le résultat a été plus meilleur parce que les gens se sont impliqués dans le projet, ils ont même aidé à coller les photos. Et... Que des artistes qui étaient créatifs, qui produisaient des arts, c'était à cause de la répression, parce qu'ils ne pouvaient pas s'exprimer, parce qu'ils ne pouvaient pas de donner leurs avis, donc ils se dirigeaient vers l'art et ils camouflaient leurs messages dans leurs tableaux, dans les photos. Et... Maintenant, je pense que ça sera plus difficile de créer, parce que moi, je pense qu'on crée lorsqu'on a des difficultés. Moi par exemple, je trouve un peu de problèmes pour faire des photos maintenant. Avant c'était pour moi, c'était une thérapie, c'était parce que je manquais d'espace d'expression, parce que j'avais beaucoup de choses que je voulais dire, mais je pouvais pas les dire de manière directement, sinon je risquais de partir derrière les murs, comme on dit chez nous. Donc, There's nothing mystic about creating. The only way to continue creating is by creating. Continue doing that for long enough, and things happen. It's a perfect day for the road.